Hello les gens, bienvenue sur Frappe c'est jeu ou sur mon blog itisand3.fr, donc frappe c'est jeu.fr naturellement, et itisand3.fr mon blog ou le site généraliste, on va dire ça comme ça. Du coup, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 5 sur PC, donc je précise encore une fois une petite erreur, c'est pas moins 12, c'est moins 18 le jeu il me semble. Et c'est un jeu qui m'a été offert par Pauline, encore une fois un immense merci à toi. Et c'est parti pour un tour, on continue. Je voulais aller voir là-haut, mais par où il faut que je passe pour aller là-haut au... Ouais, c'est par ici. Je vais aller pêcher, s'il y a des poissons au-dessus. Et les poissons, apparemment, ça rapporte bien, ce qui est cool. Donc on va aller pêcher un petit coup. Non, pas assez loin, pas assez loin. Tiens, cadeau. Oh, punaise. Oh non, on prend encore un avion. J'aime pas les avions. On n'est pas là. On va débrouiller bien avec, hein. Enfin, débrouillez-vous bien. Oula, encore un mec qui a mal terminé. Moi, je m'en vais. Okay. Je suis pas là. Non. Non, c'est pas parti. Ah mince, elle est à terre. Mais qu'est-ce que tu fabriques, chérie? Bah ouais, comme tu dis, ça doit faire mal. Je veux bien te croire, mais quand même. Maintenant on se calme madame. Bordel, ça fait un mal de chien. Bah oui, je viens de croire, mais en même temps, il y a un mec qui tire dessus à l'avion, tu peux te décaler. Hop là, on y va. Je sais pas comment je peux te faire péter toi, mais dès que je saurai, crois-moi, tu vas déguster. On y est. Faut te calmer mon grand. Je sais pas d'où vient cette haine, mais peut-être pas choisi le meilleur truc à faire là. Non non, il y a la... Non mais moi je veux sortir d'ici. Je suis en train de remonter une cascade à contre-courant. Comment je vais faire? Je vais pas me laisser tomber ici quand même. Ah si, c'est bon. J'ai réussi à m'en sortir. Pendant un moment, je me suis dit, je vais pas y arriver. C'est fini, on est foutu. Le chemin pour monter, c'est où après? Je suis perdu. Peut-être qu'il fallait que je monte de ce côté-là en fait. Banzai! Pas compris pourquoi il a ouvert le parachute. Et du coup, je suis coincé dans le décor. Oula, j'ai été téléporté au-dessus. Est-ce que je peux grimper par là? Non. Par où on passe après? Est-ce qu'il y a ce pont? Là-haut, là-haut, c'est j'ai trouvé. Trouvé. Je sais pas combien de vidéos j'aurais faites aujourd'hui en tout cas. Mais ça fait de quoi faire en tout cas. C'est sûr que là ça commence à faire. J'arrête pas de dire en tout cas là aujourd'hui. J'ai un gros tic de langage en ce moment. Un animal là-bas. Un truc qui est passé complètement à côté. Et c'est joli par ici. Mince. Ça par contre c'est moins joli. Ouh, c'était magnifique ça. Faut que je réveille Boomer. Il est où le chien? Qu'est-ce qui reste encore? Il doit pas rester grand chose quand même.
débile. Comme tu dis, allons pêcher. Parce qu'on le vaut bien. Attention, je descends. Je bouge. Bah, bouge. Alors, je prends ça. Putain de merde. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle a vu? Je vois rien de gênant ici, calme-toi. Ah, ça tire en face par contre. Oui, effectivement, j'avais pas fait gaffe. Allez, venez manger. Il y a du bon, je sais pas quoi, d'ailleurs. Je regarde s'il est possible de trouver une liste des appâts. Et lesquels utiliser dans quelles conditions. Je me déplace. Vas-y, au revoir. Veuillez patienter, nous tentons de chasser le bestiau. Par contre, les ours là. Non, c'est bon, les ours il est parti ailleurs. J'ai eu peur. Je suis pas sûr d'être assez loin là. Hein. Par rapport au poisson qu'on a vu. Oh non, il n'est pas encore un avion, en plus il vient de popper celui-là. On a de la compagnie. Non. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont tous? Ils vont pas dans la bonne direction les poissons? Bon, je vais réussir à en pêcher un ou... Ou pas du tout? Pour l'instant, ça va. Non ! Le fil qui est caché, qui a cassé saleté. Il a cassé mon fil. Alors, soit j'ai pas une baguette assez puissante, soit je suis pas avec les bons appâts, je sais pas. Petit. Ça tire dessus à fond là-bas. Il y a un ours qui se promène aussi. Non mais je le veux celui-là. Ah, mais ils sont trop difficiles à pêcher. Est-ce qu'on peut pêcher l'ours? Par contre, l'ours, là. Alors, quand il meurt, il flotte, faut le savoir. Non, mais je veux juste piller l'ours. Y'a les camarades qui sont juste au-dessus. Bon, on retente une dernière fois de pêcher si je vois que ça marche pas. Ah mais non, l'avion non. Je ramène tout, ils ont encore fui. Je change de place. Vas-y, change de place. J'ai bien réussi à en pêcher à un moment donné. Ou alors il faut peut-être une meilleure canne à pêche. Quand c'est trop près de moi, en fait, il s'enfuit, d'accord.
J'ai l'intérêt de lancer super loin. Voilà. On laisse tomber pour l'instant. Je pense que j'ai pas de canne à pêche assez efficace. Je sais même plus ce qu'il y a ici. C'est quoi? Du saumon ombre arctique. Difficile, d'accord. Ok, donc difficile. J'aurais dû voir ça plus tôt. On va plutôt aller par là. Et je rappelle que plutôt c'est le chien de Mickey. Mais c'est une autre histoire. Il me manque combien? 4. Ok. Pour la wingsuit. Parce que j'aurais pu récupérer la wingsuit et me barrer. Mais en fait. Vas-y, bouge! Un régal à regarder en attendant. Ah bah écoute, tant mieux. Bah je t'avoue que je m'attendais pas à autant l'apprécier après le 4 et le Primal. Il est vraiment très sympa celui-là. Eh hey, bonhomme. J'ai envie de tenter le saut en parachute. C'est peut-être pas la meilleure des idées, mais au moins ça me permettra d'aller un peu plus loin par là-bas. Donc on va monter haut. C'est quoi ces trucs? Serait-ce des sangliers? Mais oui, mais oui! Va falloir qu'ils fassent un effort pour jouer avec nous. Bon, ils ont eu peur. Ouais, laissez tranquille. Non mais c'est ça, ils ont bien réussi leur jeu, je trouve ça vachement sympa. Puis je suis curieux d'aller voir un de ces quatre, la statue là-haut. Et à ceux à qui ça ne pourrait vraiment pas sembler réaliste, sachez que c'est vraiment comme ça sur certains, dans certaines sectes. Et il y a une secte en particulier, il me semble, qui a fait construire des statues qui font 60 mètres de haut, un truc dans le genre. Je sais plus comment elle s'appelle, cette secte-là en particulier, mais elle est connue. Ce qui rend les choses encore plus impressionnantes. On a vraiment l'impression qu'on peut aller quasiment partout ici, hein. Normalement, faudra bien que je saute dans le vide pour atterrir en parachute, mais... Ah, il y a un truc au-dessus de nous, là. Oula. Si jamais tu te retrouves à court d'argent, le meilleur moyen d'en gagner, c'est d'aller chasser. Il y a pas mal de gens dans le coin prêts à payer pour de la viande et des pots de bêtes. Vous devriez plus être loin. Détruisez le boîtier de commande en haut de la tour. Je vous laisse choisir comment tant que ça fait des étincelles. Là que je récupère de la viande, mais faut que je les renverse. Il y a les gens au-dessus. Je change de position. Alors au sommet de quelle tour? La tour là-bas, j'imagine. On y va. Sans oublier mes gars turiennes. Mais Urk, il est absolument génial. Dans tous les Far Cry, il est efficace. Même dans Far Cry Primal, Urky. Alors le mec, il est en train de tirer par là-bas et sa flèche, elle vient vers moi. Bonjour, ça je récupère. Si ça risquait de lui servir. Quoi Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles? Tant d'expressions, tant de vocabulaire. C'est impressionnant. Bonjour. On va essayer de voir par là. Comme ça, on fait deux en un. Ah, quelque chose d'autre par là-bas. Oula, derrière, il y a des trucs juste en dessous. Il y a des otages. Non, 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 pas les prisonniers, pas les prisonniers, pas les prisonniers. Ah bah si, il est mort. Brûle en enfer, raclure. Ne cherche pas à rejoindre les dents.
Ah, le loup l'a relevé. Pleine tête, j'ai vu ça, bravo. Je crois que tu perds ton temps. Je suis désolé, cher otage, j'ai très 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 mal agi. C'est de ma faute. C'est pas comme si ça risquait de lui servir. Ça ne lui servira pas, en effet. Il y a un autre truc là-bas, mais je sais pas ce que c'est. Il y a notre tour radio. À mon avis, j'ai pas dans le bon sens. Non, non. Ah bah ça a disparu. J'ai pas compris. Rum tum tum. Tum tum tum. Venez par là, par là, par là. Et hop là. Qu'est-ce que c'est qu'un carcassou? Tu m'as fait peur. J'aime pas spécialement Boomer comme nom. Je retiens jamais. Je suis obligé de chercher à chaque fois. Bon, Boomer, qu'est-ce que c'est? On a assez perdu de temps. Faut qu'on aille combattre le top. Comment ça, on a assez perdu de temps, ma petite dame? Je bosse pour tes collègues, là. C'est tellement pas rassurant. Heureusement, on sait qu'on a un parachute si jamais on tombe. Mais ça, c'est le genre de choses que je ne ferai pas sans parachute maintenant. J'espère que vous n'avez pas le vertige. Si, un peu. Ça fera l'affaire. La tour suivante est au nord-est. Elle surplombe l'hôtel depuis une falaise. Si vous avez un wingsuit, c'est le moment de le sortir. Mais évitez de vous écraser. Elle surplombe l'hôtel depuis une falaise. J'imagine que c'est... Attends, non, c'est où? Où est-ce qu'ils m'ont mise la suivante? Ah, c'est là. Deuxième tour radio. L'avant-poste, j'ai pas envie de le faire tout de suite, on est quasiment à la fin du live. J'ai envie d'aller faire cette quête-là. Avec plein de matos. Quoique l'avant-poste, ça fera un déplacement, un système de déplacement rapide. On va aller voir. La 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 schtroumpf la la, bien schtroumpfé encore. Il y a des gens. On va se rapprocher du mur ici, au cas où. Voilà, comme ceci. Pour observer tout ça aux jumelles, en dessous. J'étais sûr que j'avais passé un genre. Pourquoi il y a un crâne au-dessus là? Ça sent pas très bon ça. Vous sentez que ça sent pas bon? En plus j'ai plus de balles. J'ai plus de balles, monsieur, ayez pitié. Bah déplace-toi. Ah, il y a autre chose ici. Ouh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, je suis pas là. Non mais écoutez les mecs. Vous voyez pas que j'ai bobo moi aussi? Encore plus de vie. Waouh. Et là je peux m'accrocher à la vie autant que je veux, mais personne, mes camarades sont morts. Bah ouais, forcément. C'était pas l'idée du siècle, hein, qu'on se le dise. Mais je me demande ce que Telico fait là. Il était pas là à la base quand j'ai commencé à descendre ici. C'est ça, ouch. Nous avons oublié comment être fort. Je m'en foutroumf. Ah bah tiens, je retombe là.
Bonsaï. Et il me disait que la prochaine tour, ça devait être ça là-bas. De toute façon, on va aller voir, on verra bien où ça nous mène. Et si on peut récupérer ce coin-là, ce sera parfait. On va y aller 2 semaines tranquillement. Je n'ai que 7 balles. On va pas aller bien loin avec ça. Y a-t-il des gens à l'intérieur qui souhaitent discuter ou mourir ? Moi en tout cas, ni l'un ni l'autre. La plupart s'en remettent jamais. On va tenter de grimper par ici. J'ai même pas eu le temps de dire ce qu'il y avait sur la façade. Enfin, la falaise. Quoi ? Non, 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 non. Oh non, mais non, et pas un avion ! Sérieux, c'est de la triche, ça. Tu veux pas te cracher contre la falaise, s'il te plaît ? J'ai plus de balles après ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que tu peux te cracher, s'il te plaît ? Là, tu fais demi-tour, tu vises le sol et tu descends bien. Il a quand même un lance-roquette, ouais. Mais là, j'ai l'impression qu'il est reparti, il y a un... Ou alors, si, il est en train de revenir vers moi, je crois. Ah non, je sais pas trop ce qu'il nous fait. Il a dû me perdre parce que... Oula, oula, oulala, oulala. Qu'est-ce qu'il nous fait, là, lui ? Ah, je crois qu'il a compris le concept. Ah non, peut-être pas. Mais... Avec une musique à la James Bond en plus derrière. Tu ne vois pas l'avion, je suis en train de monter une falaise. Je suis en train de monter une falaise, j'ai dit que je suis en train de monter une falaise. Du coup là-dedans il y a tout le monde qui va s'affoler. Voilà, qu'est-ce que je disais, tout le monde s'affole. Tout le monde m'a repéré, donc tout le monde va déclencher l'alarme. Bah ouais, mais foutu avion, c'est pour ça que je voulais pas trop me rapprocher. Oh punaise! C'est pas moi. Oula, il y a la bombe, qui va tomber. Ah, il y a un mortier, c'est pour ça. C'est juste qu'ils savent pas viser. Comment ça, on dégage pas. Joli, joli. Ah, mince, Boomer, ils ont eu Boomer. On va aller le chercher. Coucou les mecs!
Un hélico manquait plus que ça, ça va me tomber dessus là. D'avancer. Ouais non, pas de ce côté en fait. Pas de ce côté, pas de ce côté. Il est où le mec qui tire au mortier? Est-ce que je peux avoir des munitions s'il vous plaît? Parce que là je pense que je vais en avoir besoin un petit peu, beaucoup à la folie, passionnément. J'ai plus de balles. Bonjour. Bonjour. J'avais pas prévu ça comme ça. On l'a eu. Appris méchant mon cher. Ah bon, j'ai même pas fait gaffe. On l'a eu. On a eu cette plateforme. America, fuck yeah. Hop là, comme ça nous fait un point de déplacement rapide. Vous avez repris la station radar, officier. C'est génial. La SEC pourra plus s'y entraîner et en plus, on a une super vue sur notre région. C'est bon, il n'y a plus de moufettes, vous pouvez me parler. J'ai vu des tarés passer avec d'énormes tonneaux. J'ai vu des tapes. Ravi de te voir, ma jolie. Salut, mec. Il paraît qu'Eli t'aime bien. J'ai entendu un truc. J'ai vu des tarés passer avec d'énormes tonneaux de produits chimiques en direction du Hedge Lodge. Ils vont sans doute s'en servir pour créer de nouveaux juges. Il faut les en empêcher à tout prix. Ok, donc nouvelle mission. Là-bas, je peux refaire le plein de munitions. C'est pas une mauvaise chose, ça d'ailleurs. Ah, c'est toi d'en parler, Eli. Écoute, si Jacob contrôle ton esprit et te transforme en fanatique, je devrais t'abattre. Je te respecte, hein, mais tu comprends? Ouais, moi aussi. Je promets de faire ça vite. Y a plus de caméras. Moi aussi, mais j'ai pas forcément besoin que Jacob te contrôle. Hein. Munitions, faisons le plein. 64 balles manquantes, allez vas-y, on fait le plein. Ça c'est fait, vendre le butin, on a combien là? 3050. Voilà, lingots d'argent, vêtements, armes, objets. J'ai acheté des medikits, ça je prendrais bien par contre, voilà. Des medikits, on en a déjà 3, donc ça va, ça ferait l'affaire. Sympa ton toutou. Ouh, un J'aurais bien besoin de votre aide pour un truc. Une nouvelle carte, 3 nouveaux lieux découverts dans les environs. Ça c'est quoi? Ok. Donc ça c'est la prochaine tour radio. J'aimerais bien aller m'occuper de ça là. Ça doit pouvoir le faire. Ça c'est quoi? Ah oui, les animaux. On a combien d'émissions là? Bon, allez. Alors t'as vu le Wolf Den, hein? Il y a tout ce qu'il faut en cas de besoin. Hey, vous avez une minute? C'est bien que vous ayez repris la station radar, mais c'est pas fini. Je crois qu'ils diffusent toujours des données depuis cet endroit. Le mieux pour arrêter ça, ce serait de détruire leur parabole. J'en ai vu 3 sur les toits autour d'ici. Prenez des explosifs et allez tout faire péter. Surtout dépêchez-vous. Ils savent sûrement déjà qu'on est là.
Ok, madame, monsieur, bon, d'accord, on y va. C'est où ça, la quête? Bah, c'est où? Est-ce que c'est ça? Non. Non. Elle m'a dit d'aller voir quelque part, mais j'ai pas trop suivi. Détruisez les paraboles, 0 sur 3. Objectif à proximité, détruisez les paraboles. Qu'ils essayent un peu de nous surveiller maintenant. Détruire les paraboles. Oh, base jump. C'est vrai que ça doit être une zone assez sympa pour sauter ici. Armée ouais. Là, faudra que j'aille voir ça aussi. J'ai pas trop compris où est-ce qu'elle m'a demandé de détruire des paraboles, c'est ici ou... Parce que si c'est ici, je vois pas trop, parce que là il y a un truc radar, machin, chose. Ah, attendez. Oh, comment je l'ai torché lui. J'ai besoin d'un nouveau briquet, à toi. Je bouge. Ouais, vas-y, bouge. Par contre, ce bruit n'est pas très appétissant. Quand je recharge. Et voilà, c'est bon. Dans le compote, la figure. Il y en a un deuxième. J'avais pas prévu ça. Ils s'en foutent partout quoi. Ce que je cherche à atteindre, c'est par là-bas. Ben, c'est pas grave Adrien, ça peut s'apprendre. Banzai, parachute. Sinon je vais avoir très mal. Je peux pas... En fait le parachute on peut pas vraiment décider de comment on atterrit. Mince, vous quittez la zone de mission, vous quittez la zone de mission. Eh mais c'est pas malin. Allez, cherchez tes paraboles. Mais il fallait peut-être un petit peu nous prévenir avant. Ça a pas l'air très très stable là comme truc là en face. Il nous reste plus que quelques minutes de live avant que je ne coupe. Je sais pas si ça peut exploser ce truc. Si, ça peut exploser. Ça peut. Alors, ah, il y a une parabole là-haut, je la vois. Et une autre là-haut, et une autre là-haut. Ok, bon, on va aller chercher. C'est parti. Détruisons cela. Que notre mission soit accomplie. D'accord, j'ai compris. Tiens. Ah bah c'est prêt, tant pis. On va y aller du coup. Juste en bas. Quoi, juste en bas, y'a rien, juste en bas c'est moi qui fais du bruit, calme-toi. Par où qu'on monte là-dedans? Je me déplace. Encore un hélico. On a seulement détruit une parabole. C'est bon, on va falloir se calmer au bout d'un moment. Ah, sois avec nous sur la saison. Peut-être que je prenne un peu plus de temps pour explorer. Ah, les clés. Il y a un document. Planning de l'hélicoptère de patrouille. Hélicoptère A1, Archange. Suivre le Mocassin River jusqu'à Silver Lake. Hélicoptère B5, messager. Patrouiller sur la route principale. Escorter les camions de mes prisonniers. Hélicoptère D2, espèce sacrée. Espèce sacrée. Bah oui, je vais couper. Ça fait quand même un paquet d'heures que je suis en live et il va falloir 1h30 à peu près pour. Enfin, 1h30, 1h10 pour chaque vidéo encodée. Et j'étais déjà à 8 à 21h. Donc,
enfin 8 vidéos, donc ça veut dire que il faudra au moins 14 ou 15 heures pour recompresser les vidéos actuelles, là, sinon elles font 30 gigas, c'est pas possible d'uploader comme ça. La qualité serait dégueulasse. Hélicoptère des deux, espèce sacrée, alors, enfin épée sacrée, je la refais en plus. Escorter les livraisons de grâce venant du sud, signer tout contact avec la milice des White Tails immédiatement. Donc comme je recompresse tout... Oh puis zut. Ça va le faire. Voilà. Donc bon, c'est pas une question de vouloir m'arrêter maintenant, c'est juste pour les rediffs, ça va me prendre une demi-journée, voire plus une demi-journée pour tout compresser et tout, donc si je m'arrête pas maintenant, en fait, demain, je pourrais rien faire du tout sur le PC, quoi. Ah, et notre mission pas loin. C'est des gens comme toi. Franchement, respect à Ellie. Il a tout. Qu'est-ce qu'il dit, putain ? Je sais pas, je suis pas là, je m'en vais. Ah non, mais c'est encore un de ces trucs comme ça là. Pour l'instant, je peux pas les faire, ça là. Oh non, pas un avion. Ouais, punaise, en plus, j'ai fait des bêtises. Punaise, heureusement, j'ai bien failli mourir et pas de la wave là. Voilà, 37 minutes de vidéo, je vais juste m'approcher de cette mission là-bas, mais tu vas te calmer, oui. On se retrouve dans un James Bond avec la musique en arrière-plan. Un deuxième. Qui s'est occupé d'eux là-bas. Le cadavre a disparu, ça arrive un peu trop souvent dans le jeu. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. C'est quoi ça? Je prends. Je change de place. Eh bien vas-y très cher. Je ne t'empêcherai point de faire ton action. Si telle est ta destinée, vas-y. Je les ai devant moi. Mais non. Même pas mal. Relivez demain. Franchement, si j'en ai la possibilité, après que l'encodage et tout, il y a des chances, oui. Je verrai. Il y a des gens là-haut. C'était le saut de votre vie. Ah, finalement, vous avez... Ouais, vous auriez pu sauter un peu plus loin, quand même. Hein. Un petit effort de plus, ça aurait été parfait. Là, ils sont arrêtés à mi-chemin, hein. Je suis pas très content. Y'a quoi là-haut? Donc, c'est pas garanti que je live demain, ça va dépendre de combien de temps ça va prendre pour encoder toutes les rediffs que je viens de faire. Là. Non, j'ai mon arc. J'y tiens, mon arc. Par contre, je ferais mieux d'éviter d'aller trop loin. Quoique je peux. Vous me recevez? C'est Witty. Si vous êtes tout près de la tour, récupérez la carte. Ah bah c'est pas mal hein ça. Il y a plein de taches de sang dans tous les sens. Tout ceci pas très rassurant. Les bunkers doivent être indiqués sur la carte. Quand vous l'aurez, repérez un endroit et allez-y. Mais les cinglés sont déjà en train de chasser. Comment ça, ennemi en vue? Ah ouais. Faites gaffe, ok? Ils envoient tous les gars qui coincent sur leur putain de fauteuil. Faudrait pas qu'on vous perde encore.
La carte, c'est bon, je l'ai. Putain, Jason, t'as encore remis ça? T'as emporté la seule carte des chalets qu'on avait. Bon, écoute, pour l'instant, reste dans la tour. Je passerai prendre la carte quand j'aurai un moment. Mais la prochaine fois, évite d'y toucher, ok? Ok. Alors, mouvement des troupes de la secte, 9h37, 3 chasseurs avec arc, suivis par leur espèce de monstres de juge. 11h21, 2 sur les quads armés de fusils, 3 à pied à 13h55, bien armés, escortant des prisonniers en direction du nord. 17h04, un quad sur une piste vers l'est, 21h23, 4 à pied avec un juge. Donc j'ai récupéré ça et maintenant... Je fasse quoi pour la suite de la quête? Ellie Palmer. Faudrait que je m'occupe de ça. Parce que là j'ai l'impression d'avoir fait le boulot du coup ici. Ça m'a peut-être envoyé sur autre chose, mais pour l'instant, je pense qu'on est bon. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on est arrivé à 40 minutes, donc on va s'arrêter ici pour ce soir, on va faire un déplacement rapide vers là-haut. Je pense pas qu'il y ait autre chose à voir. S'il y a quelqu'un en bas. Ah mais en fait, il est vachement bas, et il faut vous calmer les mecs, hein. En avant toute. Ah, par contre, là, elle est vraiment montée avec moi. Ouais. Je vois qu'on est pas très loin des autres tours, donc vas-y, allez-y, on va quand même faire ça, on est en hélico, c'est l'avantage. Le maniement des hélicos se passe bien, hein. Et contrairement à Far Cry 4 où on galérait dès qu'on prenait quelque chose, un véhicule comme celui-ci. Là, c'est extrêmement fluide. Comme quoi, ils ont vraiment fait des gros efforts au niveau de l'optimisation, je trouve, chez Ubisoft. Comparé à avant. Elle disait qu'on pouvait y arriver en wingsuit, mais elle s'est vue, elle. C'est vachement loin. Par contre, j'ai oublié la touche pour descendre. On fait comment? Ah, c'est. Attention, vous attachez vos ceintures, nous allons atterrir. Vous devriez la repérer. Même topo. Grimpez au sommet et bousillez le brouilleur. Pas mal! Il en reste encore beaucoup ou... Apparemment il en reste encore d'autres. Faudrait juste que je les trouve. Oula, il y a du monde là-haut, il y a du monde. Oh là là, il y a du monde. Non, Boomer! Ils font du mal à Boomer! C'est pas mon petit Boomer! Oh là là, soigne-toi bien, vas-y! Alors, visite de la petite salle. Ici, rien de spécial. Tout est ramassé. C'est bien un hélico comme ça pour la deuxième tour, ça devrait aller. Je bouge! Bah, justement, je trouve qu'Ubisoft a fait des gros efforts comparé à avant. Où c'était ingérable niveau optimisation, là c'est quand même mieux. Ah ouais d'accord, je monte directement tout en haut. Bon bah c'est parti. Ah non, il y a une paroi, il y a un truc intermédiaire. Non. C'était pas vraiment là que je souhaitais monter, mais c'est pas grave. Oh non, pas encore. C'est quoi, c'est un hélico qui veut me bouffer là cette fois-ci?
Ok. Le troisième brouilleur est sur un camion. Au sud. Il est sur la route au sud de votre position. Si vous faites vite, vous pourrez lui tendre une embuscade. Ok, bon, on va essayer de faire vite. Alors, il est où ce bâtiment là qui me botte ? Ouah, 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 ça pique. Pourquoi ça fait ça ? Qui est-ce qui nous tire dessus ? Personne ? Allez, en voiture ! On y va ! Comme ça, on aura terminé notre quête avant de quitter. Par contre, le véhicule il a un peu dégusté quand même, j'aurais peut-être dû faire attention. Parce qu'un tir mal placé, c'est fini pour moi, non ? Qu'est-ce qui fait marrer ? Est-ce que c'est le camion ou c'est l'endroit pour faire l'embuscade qui est là ? Non, 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 même pas le moment de me repérer. Détruisez le camion de brouillage. Il est quelque part par là, c'est ça ? Ouah, 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 ouah. Je m'attendais pas à te voir ici, toi. Mais je suis efficace quand même sur le jeu. Bon, après, on joue normal, donc forcément. Il est où le camion de brouillage ? Ah, il arrive. Ah, y'a plus de camion de brouillage. Y'a plus rien du tout. Witty va être aux anges. Contrairement à ceux qui ne partagent pas ses goûts musicaux. Peut-être qu'on va pouvoir se faire confiance finalement. J'ai du boulot pour vous, Wolfsden. Si jamais vous vous ennuyez. A plus tard. Et tout ça, sans abîmer l'hélico. Hey, franchement. Ouh, toi, 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 toi. Descends, merci. Ouais, ça va exploser. C'était pas voulu, ça. Non, pas à côté de mon hélico. Non. Paix à ton âme, hélico. Tu nous manqueras. On a fait de longs voyages ensemble. Tes petits sièges en cuir me manqueront. Même s'ils ont pas brûlé. La carcasse est complètement abîmée. Le métal a brûlé, mais pas les sièges. C'est des sièges anti-inflammables. Enfin, si c'est ça, anti-inflammable. Je sais plus ce que c'est. Humifugé ? Ah non, 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 on se bat. En plus, on a deux en un, là. Bon, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là, ils ont rien vu. Hein, on se planque. Et est-ce que je peux me déplacer rapidement en étant attaqué ? À mon avis, ça ne va pas être possible. Là, il y a une autre mission. Est-ce que je peux ? C'est bon, je peux. Et on va s'arrêter là-dessus. Pour de vrai, cette fois-ci. Pour de vrai. Rekyo, t'arrives pile au moment où j'arrête. Bah, j'ai fini par en acheter une. Qui était particulière. Une arme. Ah, 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 lui, là-bas, il a une information, il a une information à me donner. Vous allez voir. J'ai pas envie d'arrêter, en fait, mais je suis obligé par rapport au temps, au reste. Ellie a pensé à tout. J'ai vu des Tari se diriger vers la cabane de Dansky. On pourrait peut-être aller voir s'il va bien et jeter un œil sur le matos qui planque pour nous. Ok, le Sasquatch. Le Sasquatch, je rappelle, c'est un peu le Bigfoot. L'abominable homme des neiges. Ok, donc ça c'est fait. C'est ici pour la cachette de survivaliste. Bon, en tout cas, pour le moment, je vous le dis, pour moi, c'est un très bon jeu. C'est une très réussite, une bonne réussite. Et tu ne veux pas s'arrêter ? Non, mais c'est ce que je dis, j'ai pas envie de m'arrêter, vraiment. Je préférais continuer, mais là c'est plus raisonnable dans le sens où il commence à se faire tard. J'ai de moins en moins de place sur le disque dur. On a déjà bouffé à peu près 200 gigaoctets de vidéos. J'avais 400, 500, 600 gigaoctets, je crois, de libre. Donc voilà, si je veux continuer à filmer sur d'autres trucs ou continuer à faire de live demain, ça va pas être possible si je continue ce soir. Donc bon, voilà. Et d'ailleurs, sûrement, si je lance pas de live demain après-midi, ce sera parce que ça sera encore en train d'encoder. Bref, du coup. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bref, allez les gens, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo, cette rediffusion vous a plu, que ce live vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve quant à nous très bientôt pour la suite des événements ce soir, puisqu'on est déjà mercredi en fait.
Donc ce soir peut-être, ou après-demain, on va voir, je ne sais pas encore. Ça va dépendre de combien de temps mettront les vidéos à s'encoder. Voilà, du coup, merci à vous tous, merci pour votre présence, merci pour votre participation, merci pour votre don, celui notamment, et ton cadeau aussi. Passez une agréable fin de journée, et puis n'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappe, c'était jeu.fr, prenez soin de vous, et à ciao tout le monde, salut.